Symétrie. J'adore la symétrie. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je l'aime depuis que je suis gamin. La plupart des enfants sont désordonnés et étourdis en ce qui concerne leurs affaires. Pas moi. Je savais que tout avait une place, et dans ma chambre, tout était là où il fallait. Mes parents n'avaient pas ça. Mes grands-parents n'avaient pas ça non plus. Pas une seule personne dans ma famille n'avait ça. J'ai commencé à le qualifier de ça, parce que je crois vraiment que c'est quelque chose en moi. Un passager clandestin qui ne devrait pas être là, mais qui vit à l'intérieur de moi. C'est un besoin, un désir d'être parfait, parfait sur les deux côtés. En tant qu'adulte, je suis arrivé au point où je ne peux pas vivre ma vie normalement. Je ne peux pas garder un emploi. Les femmes ne restent pas avec moi parce qu'elles ne peuvent pas gérer ça. Honnêtement, je m'en fiche quand elles partent. Elles sont désordonnées et rendent les choses difficiles. Elles roulent sur mon côté du lit au lieu de rester au leur. Elles laissent la vaisselle d'un côté de l'évier, mais pas de l'autre. Je ne peux plus travailler. Alors quand elles partent pour la journée, je dois rester à la maison et tout ranger. C'est un soulagement quand elles partent pour de bon. Ce sentiment ne dure jamais pourtant. Finalement, ça revient et trouve quelque chose d'autre qui doit être arrangé. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrais-je chercher des débuts de relation si je ne peux pas les supporter? Eh bien, il est difficile pour moi de dormir au milieu du lit, toute la nuit, sans bouger. Outre le problème des relations, ma vie est à peu près dans l'ordre. Je dis « à peu près » parce qu'il y a un dernier problème qui doit être traité. Vous voyez, j'ai ce qu'on appelle « hétérochromia iridum » ou deux iris de couleurs différentes. Mon œil droit est bleu-bleuet, mon œil gauche est vert pâle, mes deux parents ont les yeux bleu-bleuet, mes frères et sœurs, cousins et cousines aussi. Mon œil vert est détraqué, il me rend déséquilibré. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, ça me fixe. C'est tout ce à quoi je pense maintenant. Tout est à sa place, sauf ma petite erreur verte. Ça n'a pas fait mal au début, quand j'enfonçais la cuillère sous mon œil. Ça n'a même pas fait mal quand j'ai éjecté l'œil et qu'il pendait à ma joue. Était-ce le choc qui maintenait la douleur, ou était-ce ça? J'ai coupé le nerf optique et séché les liquides chauds qui coulaient sur mon visage. Ma vision était réduite de moitié, c'était une étrange sensation. Ce qui restait de la chair qui pendait, je l'ai replacé dans le nouveau trou, j'ai pansé la plaie, rincé la cuillère, et je suis parti dormir. Je me suis réveillé, heureux. Je n'avais jamais aussi bien dormi depuis des années. C'était finalement fait, j'étais symétrique. Je suis sorti du lit et trébuché jusqu'à la salle de bain. Mon corps me faisait mal, et ma tête était en feu. J'ai appuyé sur l'interrupteur de la salle de bain et la lumière était aveuglante. J'ai lentement enlevé le pansement qui était imbibé de sang et qui collait à mon visage comme du scotch. Quand j'ai levé les yeux vers le miroir, mon estomac s'est retourné. C'est alors seulement que j'ai réalisé ce que je m'étais fait et je ne pouvais pas y croire. Il y avait un trou au côté gauche de mon visage, mais pas au droit. J'étais déséquilibré, encore. C'était beaucoup plus difficile pour faire sortir le deuxième œil. Mes mains tremblaient et quand j'enfonçais la cuillère, je me suis raté plusieurs fois, perforant ma pupille trois fois avant que je ne la mette au bon endroit. Une fois l'œil éjecté, j'ai tendu mes ciseaux pour finir le travail. Le sang de la nuit précédente avait séché sur les lames, de sorte que les ciseaux ne coupaient pas très bien. Vous savez, quand vous étiez gosse à l'école primaire et que votre professeur vous faisait couper des papiers pour des projets artistiques, avez-vous déjà essayé de couper trop de morceaux à la fois? Ainsi les ciseaux ne coupaient pas, les lames se plient et le papier reste coincé entre elles. C'est ce qui s'est passé avec mon œil. Le nerf optique était coincé entre les deux lames. Il était coincé et alors que je tentais désespérément et frénétiquement de le couper, j'ai glissé sur le sang et suis tombé. J'ai eu le réflexe d'abandonner mon œil pour tenter d'amortir ma chute avec ma main. Le poids des ciseaux collés sur mon nerf optique pendant était insupportable. Je savais que je ne pouvais pas le supporter assez longtemps pour me rendre à la cuisine, pour prendre un couteau. Alors j'ai tiré tout droit devant moi. J'ai senti la déchirure de la chair à l'intérieur de mon crâne. Je l'ai senti se déchirer et j'ai craché des liquides partout.
Je savais que je pleurais, mais je ne savais pas si c'était des larmes de sang ou du fluide oculaire. Quand j'ai entendu un claquement humide de chair sanglante contre le carrelage, je savais que j'en avais fini. Je savais que ça était fini. Je pouvais maintenant vivre ma vie sans avoir les gens affreux et désordonnés et leur vie inégale. Le soulagement m'envahit et je savais qu'il durerait pour toujours cette fois. Je n'avais jamais ressenti ça avant, jamais eu autant d'espoir. Alors que je gisais dans ma salle de bain, sur le carrelage froid, humide et collant, j'ai souri pour la première fois depuis des années. Il fait nuit, des flocons de neige viennent se frotter contre la vitre de la chambre. La lune est présente, cachée par quelques nuages. Je passe mes vacances d'hiver dans un chalet avec mes amis. Le chalet se situe à l'entrée d'une forêt, éclairée par le clair de lune. Tout le monde est endormi, sauf moi. Impossible de fermer l'œil avec cette odeur d'œuf pourri. Sans doute parce que le chalet est vieux. Je quitte la chambre pour descendre au rez-de-chaussée. Arrivé en bas, je vais voir le feu dans la salle de séjour. Il est presque éteint. Je mets mon manteau et mes bottes pour sortir prendre l'air, sans oublier ma lampe de poche. Au moment où je m'apprête à sortir, je sens un souffle glacial arriver dans ma nuque. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je jette un œil, il n'y a personne. C'est sans doute la fatigue qui me donne cette impression. Une fois dehors, je me dirige vers la forêt. Il fait froid mais ça ne me dérange pas. Sur le chemin, je croise un chat noir, mais il s'enfuit à chaque fois que je l'approche. Je m'arrête. Il me semble avoir entendu un bruit. Quelqu'un me suit ? Je regarde derrière moi, le chalet est éclairé par la lune, mais il n'y a personne. Le bruit a cessé. Arrivé dans la forêt, j'allume ma lampe de poche. Je continue à avancer jusqu'à un rocher sur lequel je m'assieds quelques minutes. La nuit rend la forêt quelque peu sinistre. Tous les arbres sont noirs. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là. Je commence à avoir froid. Juste au moment où je décide de partir, ma lampe de poche s'éteint. Je tente de la rallumer, mais rien n'y fait. C'est étrange, les piles sont neuves. Alors c'est sans doute l'ampoule qui est morte. Il ne me reste plus que le clair de lune comme source de lumière. Je reprends le chemin par lequel je suis venu. La neige au sol reflète la lumière de la lune. Un vent glacé arrive subitement dans ma figure. J'entends un son étrange, comme un hurlement lointain. Est-ce le chat que j'ai croisé tout à l'heure ? En marchant, je trébuche, mais de réflexe, je me rattrape à la branche d'un arbre. En me redressant, je remarque que ma main est recouverte d'un liquide. Je regarde de plus près, le liquide est rouge. Est-ce du sang ? Je tourne mon regard vers la branche. Face à cette vision d'horreur, je tombe en arrière. Un rat y a été embroché. La branche lui sort du ventre, faisant couler son sang dans la neige. Cette scène me donne la nausée. Qui a pu faire ça ? Je me relève et me mis à courir pour rejoindre le chalet. Quelle idée de sortir si tard la nuit. J'entends à nouveau le cri, plus fort et plus proche. Je cours à toute vitesse. Depuis combien de temps suis-je en train de courir, je ne sais pas. Mais le chemin est étrangement long. Je ne reconnais plus le paysage. Il n'y a pourtant qu'un seul chemin par lequel je suis venu. Le sol devient de plus en plus granuleux, et la neige plus haute aussi. À ma grande surprise, elle m'arrive maintenant aux genoux, alors qu'elle ne dépassait pas ma cheville il y a quelques minutes. Le cri se fait entendre, je sursaute et tombe sur le côté. Je passe au travers de la neige, mais ma chute ne s'arrête pas. Je tombe dans un trou étroit, caché dans la neige. J'ouvre les yeux. Au-dessus de moi, je perçois la lune. Autour de moi, de la terre, des racines. Je tente de sortir du trou, mais rien n'y fait. Il est trop profond, trop étroit. Je suis comme paralysé. La panique m'envahit,
Je tente d'appeler à l'aide, mais c'est inutile. Je suis perdu et tout le monde dort. Tout ce que je peux faire, c'est attendre le lendemain matin pour qu'on remarque ma disparition. Mes amis chercheront après moi et je pourrai appeler à l'aide. Au-dessus de moi, le vent reprend son souffle, encore accompagné de ce cri. J'entends des bruits étranges. Tout mon corps se met à trembler. Mes yeux commencent lentement à se fermer. Le froid est en train de m'endormir. J'espère ne pas tomber en hypothermie. Je me réveille dans une chambre blanche. Je porte une chemise d'hôpital. J'ai un horrible mal de tête. J'essaie de me lever, mais mes jambes me font mal. Je n'ai aucun souvenir de la veille. J'appelle mes amis qui étaient avec moi au chalet, mais personne ne vient. Je me lève du lit, tant bien que mal. En avançant dans la pièce, je vois un miroir accroché au-dessus d'une table de chevet sur lequel se trouve un vieux journal, à côté d'une grande porte blanche. J'y vois mon reflet, mais il y a quelque chose de bizarre. Je m'en approche. Mon visage ! Il est ridé, mes cheveux sont blancs. Comment cela peut-il être moi ? C'est une vieille personne qui est en face de moi. C'est impossible. Je dois être en plein cauchemar. Quelqu'un ouvre la porte. Un homme habillé en blanc entre dans la pièce. Il me salue et me dit qu'il est l'heure de prendre mon médicament. Je ne comprends pas de quoi il parle. Je baisse mes yeux sur le journal posé sur la table de chevet. Il date d'il y a environ 70 ans. Un jeune garçon a été retrouvé coincé dans un trou pendant 3 jours au milieu d'une forêt. Atteint d'un trouble dissociatif de l'identité, entre parenthèses, double personnalité, il serait à l'origine de la mort de ses amis qui ont été retrouvés dans un chalet. Et je reconnus mon visage sur la photo. Je suis donc dans un hôpital psychiatrique, et je n'ai plus été moi-même depuis ma chute dans ce trou. Je ne me souviens pas avoir tué mes amis. Mon autre moi en serait responsable. Des larmes se mirent à couler sur mes joues, et j'avale le médicament de l'infirmier. Les examens sont terminés. Pour fêter ça, toute notre classe a décidé d'organiser une classe de neige. Comme logement, nous avons choisi une auberge de jeunesse qui se situe non loin de la station de ski. Nous sommes 3 dans la même chambre, moi, Sylvain et Nathan. Il est 1h du matin, moi et Nathan sommes partis nous laver les dents aux éviers des toilettes, sans respecter le couvre-feu qu'impose l'auberge. Il fait très lumineux. Les murs et le sol sont un carrelage classique blanc, ce qu'on trouve souvent dans les toilettes. Les portes du cabinet sont jaunes cassées. Il y a une odeur de détartrant qui flotte dans l'air. En face des cabines, il y a les éviers avec à chaque fois un miroir et une lampe au-dessus. « Demain, tu comptes aller faire du ski ou acheter des souvenirs ?» dit Nathan. « Aujourd'hui, j'ai fait du ski toute la journée. Je pense que je vais plutôt aller acheter des souvenirs, » lui répondis-je. « J'irai peut-être aussi, sinon je risque de me lasser du ski, » dit-il. Je sens un courant d'air glacé. Je regarde d'où il vient. Au fond des toilettes, il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Dehors, il fait complètement noir, mais j'arrive à percevoir au loin les lumières du village en bas de la montagne. Je m'approche pour la fermer. Une fois fermée, je vois quelque chose de bizarre. Non pas l'extérieur, mais dans ce qu'elle reflète. Derrière Nathan, la porte de la cabine de WC du milieu est grande ouverte. Pourtant, il me semblait qu'elle était toute fermée. Je m'en approche et regarde à l'intérieur. Il y a un WC blanc avec une planche en plastique de couleur noire. Il n'y a pas d'éclairage dans la cabine, donc il fait un peu sombre. Les néons au plafond n'éclairent qu'en partie l'intérieur des cabines. « Quelque chose ne va pas ?» demande Nathan. « Non, ce n'est rien, » répondis-je. Je referme la porte. « Bon, moi j'ai fini, je retourne à la chambre, » dit Nathan. « D'accord, j'arrive dans 5 minutes, » lui répondis-je. Nathan prend ses affaires et s'en va. Je remplis mon gobelet d'eau et le pose sur le côté de l'évier et mets du dentifrice sur la brosse à dents. Je regarde dans le miroir devant moi, la porte que j'avais fermée s'est entrouverte. Je me retourne, la referme et vérifie qu'elle tient. Puis je retourne à l'évier. Après avoir lavé mes dents, je me prépare à sortir quand soudain, quelque chose attire mon attention. Quelque chose qui me fait froid dans le dos. Près de l'entrée des toilettes, la poignée de la porte de la cabine. Elle bouge lentement et silencieusement de haut en bas. Je reste muet et paralysé devant cette scène. « Il y a quelqu'un ?» dis-je. Personne ne répond. La poignée continue de bouger. Je me dirige vers la sortie. Je suis envahi de frissons. Et juste au moment où je me prépare à sortir, la porte s'ouvre lentement avec un grincement.
J'étais prêt à prendre les jambes à mon cou, jusqu'au moment où je vois une tête passer. Sylvain. Haha, je t'ai bien fait peur, dit-il. Imbécile! Je croyais qu'il n'y avait plus que moi aux toilettes, lui dis-je. J'ai cru que tu le verrais pas, dit-il en rigolant. C'est toi alors qui avais ouvert la porte de la cabine du milieu, dis-je. Hein? Non, c'est pas moi, répondit Sylvain. Elle était fermée quand je suis arrivé, et quelques minutes plus tard, elle était grande ouverte, insistai-je. Je t'assure que je n'ai pas touché à cette porte. Sans doute qu'elle ne sait pas tenir en position, affirmait Sylvain. Elle se ferme avec une poignée. Elle n'aurait pas pu s'ouvrir sans qu'on appuie dessus, dis-je. Écoute, moi je n'ai rien. Soudain, un grincement interrompit Sylvain. La porte des toilettes du milieu s'est entrouverte. Il me regarde d'un air surpris. Tu vois, je n'y suis pour rien, me répondit Sylvain. Nous nous approchons de la porte. Sylvain l'ouvre. La cabine est vide. Il la referme et essaie de l'ouvrir sans presser la poignée. Effectivement, il faut presser la poignée pour qu'elle s'ouvre, à moins qu'elle était mal fermée, dit-il. J'étais pourtant sûr de l'avoir bien fermée, répondis-je. Bon, c'est pas grave, retournons en chambre, me dit Sylvain. Mais juste au moment où nous sortons, nous nous retournons lentement vers la cabine du milieu. Elle est entr'ouverte. L'ouverture de toutes les cabines sont du côté de la fenêtre des toilettes. On ne voit donc rien derrière celle-ci. Sylvain se baisse pour regarder en dessous de la cabine. Son teint vire subitement en pâle. Il se relève rapidement et sort des toilettes en courant et en me bousculant. Il me crie « Cours !» Je me baisse et regarde en dessous de la cabine. Il n'y a rien. Quel idiot! Il essaye encore de me faire peur. Néanmoins, je l'avais trouvé très convaincant. Je retourne dans la chambre en parcourant un long couloir. Quand j'arrive dans notre chambre, je vois Sylvain recroquevillé sur son lit, tremblant, toujours aussi pâle. Il ne dit rien. Nathan vient vers moi. Il est revenu en courant et s'est jeté sur le lit. « Qu'est-ce qu'il a? On croirait qu'il s'est fait agresser, » dit-il. Je m'approche de Sylvain. « Qu'est-ce que tu as vu sous cette cabine ? » dis-je. Sylvain reste toujours silencieux. Il regarde droit devant lui avec une expression de terreur. Mais je sais qu'il fait son cinéma. Je remarque soudain que j'ai oublié de reprendre mes affaires aux toilettes. « Je reviens, » dis-je. En retournant dans le couloir, je vois quelque chose tout au fond. Une silhouette entre dans les toilettes des garçons. « Au moins, je ne serai pas seul, » me dis-je. Dehors, il commence à pleuvoir. J'entends les gouttes tomber sur le toit et les vitres de l'auberge. Arrivé aux toilettes, il fait noir à l'intérieur. La personne qui est entrée a éteint toutes les lumières. J'appuie sur l'interrupteur à l'entrée des toilettes. Les lampes ne s'allument pas. La lumière de la lune éclaire légèrement l'intérieur des toilettes, d'une couleur bleutée. « Oh !» m'exclamai-je. « Toutes les portes des toilettes sont grandes ouvertes. Encore une blague ?» J'entre et ferme toutes les portes. Je m'attends bien qu'une fois arrivé à la dernière porte, quelqu'un va subitement sortir pour me faire peur. Je les ferme une par une. Arrivé à la dernière porte, j'ai un tournis. La dernière cabine est vide. Il n'y a personne dans les toilettes, alors que j'ai vu quelqu'un entrer. La porte du milieu s'est ouverte. Je me baisse rapidement pour regarder en dessous, mais je ne vois rien. Il fait trop sombre. Je m'approche de la porte pour la fermer. Elle coince. Je n'arrive pas à la fermer complètement. J'essaie de la claquer, rien n'y fait. Quelque chose semble la bloquer. Je lève la tête et la peur m'envahit. En haut de la porte, il y a une main blanchâtre avec des ongles complètement noirs qui bloquent la porte. Je tombe en arrière. En dessous de la porte, il y a des pieds nus qui dépassent. Les ongles sont noirs et abîmés. J'entends un gémissement, lent et lourd. La porte s'entrouvre légèrement. Une tête sort horizontalement. C'est la tête d'une femme. Elle a de longs cheveux noirs et briffés qui traînent jusqu'au sol. Il recouvre son visage, je n'arrive pas à le voir. Mais ses yeux sont très sombres, comme s'il n'y avait que des orbites. Après avoir passé sa tête, une longue jambe sort lentement de derrière la porte, posant très délicatement la pointe de son pied sur le sol. Je me relève brutalement et me mets à courir aussi vite que je peux jusqu'à la chambre, traversant le couloir aussi vite que je peux. J'ouvre brusquement la porte. Nathan pousse un cri de surprise. Je ferme la porte à clé et me jette dans le lit de Sylvain. « Bon sang, qu'est-ce que vous avez tous les deux ?» criait Nathan. « Il y a quelque chose dans les toilettes, » dis-je. « Tu peux pas nous croire sans l'avoir vu, mais c'est super dangereux. » Je ne me suis jamais senti aussi paniqué. Je n'arrivais pas à croire à ce que j'ai vu. Personne ne pouvait me croire à part Sylvain qui l'a vu lui aussi. « Mais regardez-vous, vous êtes pétrifié. Je vais aller vous trouver celui qui s'amuse à faire peur aux gens. » Juste au moment où il s'apprête à sortir, je me jette sur lui pour l'en empêcher. « Ne fais pas ça! On n'a juste pas respecté le couvre-feu. Demain, ça ira mieux. On fera attention !» criai-je. « Couvre-feu ou pas, ça ne se fait pas de terroriser les gens !» me répondit Nathan. Il me pousse sur mon lit
déverrouille la porte et s'en va d'un pas ferme jusqu'aux toilettes en fermant la porte derrière lui. Moi et Sylvain l'avons attendu toute la nuit. Il n'est jamais revenu. Le lendemain matin, quand tout le monde est debout, nous sommes retournés aux toilettes chercher après Nathan. Nous n'avons rien trouvé, rien n'a bougé, et les lumières fonctionnent. Nous ne pouvions pas penser à une blague de sa part après ce que nous avons vu. Notre classe tout entière est rentrée du voyage sans lui. Les autorités ont lancé un avis de recherche. On nous a demandé à quel moment nous l'avions vu pour la dernière fois. Nous avons simplement répondu qu'il était parti aux toilettes dans la nuit, après le couvre-feu, et qu'il n'est jamais revenu. En réalité, il n'a sans doute pas pu s'échapper.